Hey, bienvenue, oui, nouveau numéro de The Big Gamowski, il est 19h, on y retourne. Alors, c'est la fête, hein, tu entends la musique? Oui, c'est pas n'importe quel numéro, parce que, logiquement, alors je sais pas s'il sera numéroté convenablement, mais sache que, si on peut dire, physiquement en fait, ce numéro, c'est le 600e enregistrement de The Big Gamowski. Donc du coup... Ouais, ça fait quand même un paquet. Alors je me suis dit, je vais le faire en live. Alors là, il n'y a personne, c'est pas grave. Et j'ai pas choisi le jeu, du coup. Non, j'ai pas choisi le jeu, c'est lui qui m'a choisi. Et du coup, je suis tombé sur quoi? Eh ben, je suis tombé sur un jeu de 1990 qui s'appelle The Last Day. Et rien qu'au titre, très honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit un shmup. Eh ben, en fait, si. Qu'est-ce que j'en sais de ce shmup? Rien, je me suis même pas renseigné, c'est vraiment un live quoi. Donc voilà, c'est pris au vol, le 600e jeu testé dans The Big Gamowski, eh ben, c'est The Last Day, sèche-le mon petit bonhomme. Et on va voir la gueule qu'il a, si ça se trouve il est super bien. Oui, je suis comme toi, je ne sais pas quoi en penser, donc le meilleur c'est de foncer dedans et de pas se prendre trop la tête, et puis de voir ce que ça va donner, hein, tout simplement. Allez, on y go. Alors, un tir et des bombes, un tir et des bombes, des bombes et un tir et des bombes. Alors... Le bougre a l'air assez vif, c'est-à-dire s'il va y avoir des flopés de boulettes à l'écran, ça va être un peu tendu, vous voyez, un peu tendu, puis j'ai une hitbox, elle est un peu grande, oui, j'appuie un petit peu les E ce soir, c'est la 600e, on va pas déconner, il me stresse ce truc, sérieusement, il est très raide, il est très très raide. Donc raid plus vif, c'est pas ce qu'on cherche. Enfin peut-être des gens, mais pas moi. Alors ces patterns sont quand même, bah voilà, connus. Je crois que je vais tricher, je vais dire qu'on n'avait pas celui-là pour la 600e. Faut me l'acheter? Bon, je continue, ok. Non, je reviens. Bah, maintenant qu'on a commencé l'enregistrement, autant le garder. Parce que le jeu m'a l'air tellement intéressant que ce serait avec plaisir que j'y reviendrai, mais franchement pas. Que les choses soient dites. Oui, avec plaisir, je n'y reviendrai pas. Regarde la vitesse des boulettes. Je sais pas ce qui a osé tirer ça. Voilà. C'est réglé, c'est nettoyé. Mon courroux a été déclenché instantanément. Bon, mais en 90, tu sors ce jeu, il est moche. Il a des graphismes Fisher Price, là où les autres font limite du photoréalisme. Ton gameplay, bah, il est vif. Moi, je m'attendais à ce que quand il y ait plus de 5 sprites, ça se mette à ramer. Mais... Là, on est en pleine recherche. Et on recherche quoi? L'intérêt. Donc, non. Non, tu vas vite te faire oublier mon ami, parce que tu n'es pas un shmup grandiose, tu n'es pas un shmup intéressant, tu n'es pas un shmup difficile, tu es juste un shmup quelconque. Oui, je sais, c'est dur de dire les choses comme ça, mais il faut que la vérité vienne au grand jour. Et vous savez que The Big Gamowski, c'est l'outil de la vérité. On est un peu le Wikileaks du jeu vidéo, quoi. Et oui, je dis le bon royal. Et on va vite se barrer de ce jeu en fait. Parce qu'il a vraiment rien de plaisant.
on va le jeter d'en bas jusqu'au grenier et on sait même pas s'il atterrira dans la malle où on archive tous les vieux shmups. Mais pff, on veut plus trop en entendre parler. Last Day, The Last Day, c'est un titre totalement négligeable. On va faire même comme s'il n'avait pas existé et on va reprendre une vie courante jusqu'à demain 19h où vous aurez un nouveau jeu dans The Big Game of Ski, non sans avoir préalablement révisé au travers de ces deux saintes playlists. À demain, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Laissez les hosties en partant.